Bonjour, je suis avec Brice, Minecraft, pendant Skyblock 3. Donc, je m'apprête à faire premier assist, machin, ouais, c'est ça, on va regarder ça. Donc, on prend notre balle, on va faire un coup. On va transformer. On va faire plus de gemmes, donc à ça, et des gemmes plus pulvérisées, parce qu'il faut que j'ai tout un besoin. Fait que plus. Ok, fait que là, je vais aller là-bas. Donc là, ma tank est rendue pleine. Problème de saut pour rien, ça. Donc, pas mal. Je vais aller chercher ici. Il va y avoir d'autres bébés ici, ouais. Donc on va se récupérer le tank. Il n'est pas plein, mais il y a assez de contenu là-dedans pour faire quelque chose. Donc on va la mettre dans la machine ici. Ça, c'est encore un Inferium qui va se transformer en Terminator Item qui est dérangé. Ouh, hey, ma tank est là, c'est bon. Donc il faut que ça fait. Parce que j'ai une ténacité 2. Le matin peut compter 160 buckets de sang. Donc, j'arrête d'essayer de la remplir. Puis, dès qu'elle va être pleine, il va pouvoir commencer à infuser notre bloc de diamant. Peut transformer. Ça va l'aider un petit peu. Donc, le tank, il reste encore du stock dedans. Que je pense, là. Là, il est en train de me faire mon bloc de diamant. C'est un gros morceau, ça. Ah. Diamond Promise Acceptor. Ok. Puis là, je dois pouvoir. Oh, t'as vrai, t'as remis déjà plein de sang là-dedans. C'est génial. Parce qu'il faut que je prenne un bol ici, c'est ça. Puis je le transforme en Promise of Strength. Pendant que ça va se faire, je vais réinstaller la tank de ce qu'elle doit être pour récupérer le contenu. À quoi l'ennemi? Ouais. Ok. Ça prenait quoi pour faire la Tenacity Tree? Ça prenait un Eye of Ender. Je vais crafter ça pendant que je peux. Eye of Ender. Je peux ranger une coupe de choses aussi en même temps, parce que ça j'en ai tout le temps trop. Ok, on va travailler ça. Eye of Ender. Ah, j'ai récupéré ma pétante. Je n'ai pas vérifié que j'ai complété les quêtes s'il y avait besoin. Ça et ça nous fait notre Promise of Tenacity Tree. Je les mets dans mon inventaire. Ok, je l'ai eu. Puis je peux la mettre ici. Ça va remplacer la Tenacity 2. Ok, on est rendu avec 640 buckets de sang possible dans cette machine-là. C'est quand même énorme. Ah, c'est pas rien. Ah, je vais aller dans la salle de la boucle dormir. Puis ça va vous permettre de recréer des monstres et tout, là. Ok, faisons ça. Donc ça, c'est une bonne affaire. Ça complète une partie de ce. Pendant que j'investis tout ça, ça va me construire d'autres bébites. D'autres simples. Ça va m'avancer d'autres. J'en ai besoin encore. On est rendu plus loin. On est rendu ici. Ça, c'est complété. La ténacité 3. Là, il voudrait que je fasse comme une quête maîtresse, c'est celle-là. C'est le Entangle Calice. Ah, ben oui, il veut que je fasse un Entangle Calice, c'est super le fun ça. Entangle. Donc, ça va nous prendre deux Dark Gems, un Corrupted Casteer. Le reste, tout est facile à part celui-là.
Ça va en faire deux, ils sont reliés. Pour corrompre un gastyr, ça prend 10 boquettes de sang, juste ça, c'est pas que ça, plus un gastyr, plus la promesse de ténacité 3 que je viens d'avoir. Parfait. Bon, on a un petit problème, on n'a pas de gastyr. Ah, j'ai un coffre à ouvrir, je le ferai à la fin. Okay, on va se créer, on va regarder si on peut en avoir un. Gastyr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir un? On peut le faire avec ça, avec des catalyzing glands. Ça donne bien, j'en ai. J'en ai un. J'ai un gastyr, j'ai pas besoin d'aller dans le nether pour aller m'en chercher un, tant mieux. Parce qu'autrement, ça aurait été ça. Il aurait fallu que je me fasse une grosse plateforme dans le nether puis que j'attende que des gaz tombent. Ça aurait été l'horreur, ça. Putain, arrête, ouais. Ok, fait qu'ici, j'ai combien de buckets là-dedans? J'en ai 89. Bon. Ben, je peux corrompre un gastyr assez facilement avec ça. Ben, probablement. C'est un petit peu long. Donc, on va résoudre. Ah, j'ai encore des. Ah, j'en ai pogné dessus. Là, c'est fait. Je le prends. Je vais m'approcher ici de ma cabane parce que ça dit que j'ai pas de portée. Puis là, j'aurais été capable de faire le Entanglement. C'est ça, Entanglement Calice. Ah, j'ai accès. Oh, ça en fait deux. C'est ça, comme prévu. J'avais un cas. Ah, il faut en faire plus qu'un. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah, tabarouette. Il faut tout que je récupère ce qu'il y a là-dedans. Apparemment, ça prend de l'XP. J'espère que c'est juste ça, là, mais. Ça prend de l'or, ça prend deux gemmes, comme ça, puis ça prend expérience. Pas d'expérience, mais de gastir, aussi, de le faire là-dedans, peut-être. Comme ça, ouais. C'est presque tout de l'or. Pour ça, je place les deux gemmes sur les côtés. Puis le Corrupted Gastyr là-dessus, puis là, je récupère. Ah, je l'ai, ça marche. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas dans la planète logistique, mais ça fonctionne ici. Ah, phew, c'est bon, ça a complété la quête. Ah, ça semble compléter le craft. On peut faire des generating mob drop. Ah oui, mais ça faut que je fasse collecting spirit. Collecting spirit, faut que je fasse le vengeful ring, le vengeance focus, puis un box of eternal closure. Ça me permettrait de collecter des spirits. Là, je vais essayer de calice. Aïe, je finis la recherche en train de dire. Aïe. Je vais l'atteindre, je mets ça à la place. Je prends la teinte, je vais verser le contenu de ma teinte dans ça. Ah, il y avait du stock. Ah, c'est sûr qu'il y a du stock à mort. Là, je ne trouve même plus ma teinte. C'est ça? Non, ça c'est une tête. Ici, ma teinte. Je la prends, je la mets dedans. Donc, tout le contenu de ma teinte est vidé. Là, je vais aller là-bas. Je vais m'occuper de mes morceaux de monstres. Il me dit-tu. Ah oui! On voit que le calice est en train de se remplir. C'est comme un Ender Tank. Donc ça se remplit tranquillement, pas vite. Le bol, j'ai plus besoin. Non, on peut le ranger. On peut ranger les têtes, on peut ranger les. C'est quoi, c'est le time nabador, on le range pas, j'en ai toujours besoin sur moi. Voilà mon minou, voilà, c'est bon. Donc là on va, comme ça on peut observer le calice en train de se remplir. Il est plein, comme ça, c'est ça, j'ai rien gaspillé du sang. Donc on va là-bas. Animal farm. Je peux pas m'en amasser à Tomcraft là.
Bon, je pense pas l'annual form. Ah non, ici, ici. Voilà. Donc là, ici, c'est plein. Il y a plus de sang là-dedans. Là. Je vais essayer de mettre la coupe là, derrière là, ça. Je pense que je peux faire ça. Oh yes! Ok, fait que là, ils sont synchrones, les deux là. Dès qu'elle accumule du sang, ça va direct dans ça. Hey, c'est pas pire ça. Mais oui. Excellent. Donc la tank, je n'ai plus besoin. Merveilleux, ça c'est cool. Plus besoin de tank. On a la coupe. Je vais juste vérifier mes cadeaux là. Un modifieur d'invisibilité, probablement pour le nanobot beacon, puis un chaotique machin. Parfait. Là, techniquement, j'aurais fini le chapitre, mais ça me tente d'utiliser le mode un peu. Je vais essayer de me faire un blood chest. Parce que mon idée, ça serait essayer de réparer mon épée. Ascension Sword. On peut faire ça avec ça. Ah, c'est un colossal. On va commencer par faire le blood chest. Alors, je pense que ça va prendre une gemme spéciale. Ça va prendre une gemme spéciale. On va s'en prendre une. On va la mettre dans notre patente à sang là-bas. Là, je suis pas assez loin. J'aurais dû mettre plus loin. Ah non, même pas, ça va s'aider. Mets ça là-dedans. Ça va nous faire une gemme spéciale. Une gemme magique qui peut être renforcée. J'ai juste à mettre ça là-dedans, ça va devenir un Infusion Core avec lequel je peux construire un Blood Chest. On va l'essayer. Voilà. Ah, il veut pas. Ah, j'ai pas l'Infusion Core. Hein? Mais il est où? Faut que je refasse encore? Ah, il est là, phew. Je l'ai, le blood chest. Vraiment, ça peut réparer des systèmes. Ah, ça avait une quête pour ça. Oh, je sais pas, une quête pour ça. Ça, il prend encore du sang. Fait qu'on va essayer de se refaire un autre calice. C'est ça qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Pas ça. On va récupérer de la coupe. On va essayer de connecter à un autre coffre. Elle va être reliée à trois inventaires. Oui, juste deux. J'imagine qu'il va envoyer. Il va envoyer les deux de façon. Il va y répartir équitablement les deux, j'imagine. Je sais pas. J'ai jamais essayé ça. Mais je vais l'essayer. C'est une expérience. Là, ma coupe est là. C'est ça que. Donc, elle a été. Attunée à la fréquence de. La coupe qui est dans l'autre machine. Je retrouve avec deux coupes. Bon, une dont chacune sont reliées à mon. Donc, ce que je vais faire pour lui donner une chance, je vais mettre ça juste dans le coffre. Donc, on arrive à avoir du sang dans notre coffre. Je vais en mettre une aussi dans celle-là. On continue à mettre du sang dans celle-là. Ah, pourquoi je peux plus. On peut pas le faire. On peut pas la mettre deux fois à même place. Ah. Mais ça, je savais pas. J'ai gaspillé une coupe. Bon, j'avais pas besoin d'en faire deux. Parce que là. Ah, puis il stack même plus en plus de ça. Ah, on peut plus. Mais là. 0 sur 4000. 0 sur 4000. Non. Fin ça, je peux rien faire avec. Je vais pas me refaire faire ça encore. Je vais me faire commencer encore, je sais bien. Là, j'ai plein de niveaux d'XP. Je vais aller dormir, hein. C'est juste ce que je fais là. Ah ouais. Ah peut-être parce qu'il n'y a rien dedans. C'est pour ça parce qu'il sait pas ce qu'il y a dedans, c'est ça. Faut que ça. Il accepte juste des coupes de sang. Ok, il faut.
Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une bébite qui est apparue. Ah, une bébite. Je vais me trouver infesté de bébites bientôt. Ok, fait qu'il faut que je mette les deux coupes suffisamment rapidement pour qu'ils puissent. Ah, je pourrais jamais la mettre. Ah, ouais, parce que. En physique, faut que je m'organise pour que ça soit full. Et après ça, je vais pouvoir. Bon. Mais là, au moins, tant qu'à ça, je vais mettre mon épée dans le coffre. On va voir si ça va se réparer. Okay. Là, il y a une possibilité, par contre, que l'épée se fasse en maudire. Fait qu'on fait un purifier. C'est une autre gugus qu'on peut faire avec le mod. Ah, ouais, ça prend encore une Dark Power Gem. Ben, ça va bien. Faut que j'aille chercher. Je vais m'enchanter une coupe de gemmes, puis en faire. Dans ce point-ci, je pourrais m'en faire 16. Clac-clac. Voilà, on va aller mettre ça là-dedans, on va en faire plein. Là, je peux sauver ma coupe d'ici même. Parce qu'il faut qu'elle se remplisse. Faut qu'elle commence à se remplir, elle. Est-ce encore là, ma coupe? Ici, ouais. Elle se remplit pas. Fait que si elle se remplit pas, ça ne donne rien d'y aller. Ouais, c'est une quelque chose, je peux aller chercher mon. Aller passer mes gemmes. Ouais, pas fou. Est-ce qu'elle a continué à la mettre? Ah non, il n'y a rien dedans. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a du stock là-dedans. Ah, l'épée, dans reste. Ah, ok, l'épée vient de se faire réparer. Ouais, Users, Demon, Development, Development, Looting Tree, Unbreaking. Ah, ça l'a réparé. Ah! Elle n'est pas maudite. Bon. Parce qu'elle aurait pu. Elle aurait pu être maudite. Le conseil du Raw Wheel. Parfait, donc mon épée est réparée. Donc ça a fonctionné, mais on pourrait faire un Repairer qui est meilleur par contre pour ça. Ah ouais, ça c'est pas pire. Là, je vais amener à mettre des gems là-dedans. Je peux pas. Ah, ici. Mettre des gems dans ça. Donc là, on va attendre après ça. Là. Moi, c'est ça. Alors, je vais en faire une. Là. Ah, j'en ai une de prête. Je vais aller la chercher. Je vais travailler le Purifier pour ce temps-là. Ça, c'est pas la bonne place pendant tout. Ok, on doit pouvoir le travailler le Purifier. Ah, j'en ai un. Puis j'en ai deux. Je vais peut-être manquer de. Ah, moi j'ai manqué de choses, de Blood Shard. Ah, ça me prend un dark block. Ah, ça me prend un bloc de dark gem. Allez, purifier. Ça ressemble à quoi ça? Ah, peut pas rien faire avec. Tu coupes tu t'as un peu de. Comment il fonctionne, un purifier. Mais là, au lieu de faire le. Ça, on pourrait faire un colossal. Là, le chest à la place. Ça vaut la peine. Alors, si je veux faire ça, ça va me prendre des Reinforced Undead Plank. Il faut que je prenne des Undead Plank. Ok, ça, j'en avais quand j'avais fait les saplings l'autre fois. Il faut les renforcer. Donc, on se retourne là-bas. Ça s'en vient-tu ma coupe là? Oui, il y a du stock de la coupe, je vais la remettre dans mon affaire à blood. Il est plein. Et ta coupe, je vais la remettre ici. Pour refaire marcher notre machine là. Ici, puis je peux prendre les dead blanks et les mettre là-dedans. Ouais, ça fait des Reinforced Dead Plank. Ça va être infecté du sang. Infusé. Ouais, c'est ça. Yeah. Vous voyez ça? Ok, c'est bon. Je vais retourner là-bas, ça va charger mes pitantes. La
Colossal Block Chest. Donc ça va créer des... Okay. Ah, ça me prend un autre Infusion Core. Okay. Pour là, c'est moins facile à faire, juste ça prend un Dead Sapling pour le faire. Là, ça me prend d'autres gemmes, j'en ai quelques-unes maintenant sur moi. Yeah! J'ai mon Colossal Blood Chest. Ça m'a quoi ça? Ah! Comment ça marche? Ok, je dois pouvoir mettre l'épée là-dedans, j'imagine. C'est juste comme un gros. Non? Ah bon? Colossal Blood Chest. Comment ça marche? Marche, ouais. Voilà, axe. De ne pas la garder. Il n'y a pas une quête pour ça, on dirait que c'était supposé dans la ruine. Mm-hmm. J'ai une quête ici. En reviving the dead tree, là. C'est ça, ça j'ai des fêtes. C'est ça, ici j'ai un flying light, moi ça je vous donne ça. Le colossal, je l'ai fait. Regarde ça, pourquoi il me dit qu'il n'y a pas fait. Ah non, il commence à faire ça encore. Il détecte que les caisses sont complétées, puis c'est là qui sont pas complétées. Ah, reinforce on the. Hein? J'en avais des reinforce on the. Ah, ça en prenait 29! Mais merde, t'es fou! Hein? Le colossal blood chest is simply a larger blood chest. Mais quoi, faut que j'aie 29? 29? Ou pas à peine, ce que là, mais non, c'est même trop gros. Là, je vais essayer de jouer avec les esprits de la vengeance. Je peux finir ça. Là. Prendre des Fermented Spirits. Faut que je me fasse deux des potions de weakness. Donc, faut que je me fasse une affaire de même. Un Fermented Spirit. Ça va nous prendre des bouteilles. Glass, des bottles. Trois fois. Une de wart. Donc, on va aller travailler ça là-bas. C'est une petite machine à potions bien simple. Alors, les potions, c'est toujours la même histoire. On commence par remplir ça d'eau. Voilà. Ça là-dedans. On va essayer de cliquer les trois d'un coup parce que j'ai mis mon affaire dedans. Remplir ça. Potion of Weakness, j'ai dit. Il faut que je fasse un Ender Chest, mais un vrai. Pas celui du mode bizarre, là, Ender Storage, mais un clone d'Ender Storage, le vrai Ender Chest Vanille. Ben simple, bon. En modé. Vanille, c'est un peu moins simple parce qu'il faut se ramasser. Faut tuer les Endermen, les Blaze, pour être tout ça. Ouais, c'est ça. Box of Eternal. Donc, ça, c'est une boîte dans laquelle on peut enfermer un esprit vengeur. Je l'ai. Voilà, ça n'a pas besoin d'Ender Chest. Moi, j'en avais déjà un. Bien. Je l'ai, là j'ai une box of eternal closure. Là, faut que je fasse un Vengeance Ring. Ça me permet de voir ces esprits-là. Là, je mets ça sur moi pour m'assurer qu'il va détecter ça. Et là, je vais transformer le Vengeance Ring en Vengeance Focus. Hey, il y a une autre sorte de focus ici. Le Vengeance Focus. Off. Piercing Vengeance Focus. Ça prend des unfamiliar items encore. Okay. Là, je le fabrique. Là, j'ai mon Vengeance Focus. Puis, j'ai une boîte dans laquelle je peux enfermer l'esprit. Alors, ça complète notre quête ici. On peut la mettre. Oui, ça là-dedans, ça. Moi, je viens de compléter celle-là ici. Celle-là, oui. Collecting spirits. Ooh. Parfait.
se faire déranger par ça. On va l'aider un peu. Ah, il l'a eu. Je sais pas si ça veut faire une vite. Ah, ça s'ouvre, ça, ok. Ah! Ah, il y en avait un dedans, je pense. Ah, oh, il y avait déjà un dedans. Après un coup qu'on l'a mis dedans, ça se referme plus. Voilà. Je suis curieux d'essayer celui-là aussi. Parce que là, apparemment que mon focus, là, il est plein. Ah, j'ai plus de blood shard. Ah, non. J'ai tout passé ça, les Harlan Blood Shard. Y'a-tu moyen d'en refaire autrement qu'avec dans le monde? Mechanical Squeeze. Ah, on peut charger la seringue avec ça si on veut. Si on a besoin de 100 lousse, on est capable d'en faire avec ça. Je t'arrête de me faire des Reinforced on Dead Plank pour plus de m'avoir tant que je veux. Et ça, c'est vide. Ah, là, ça l'est. Ça venait plus. Là, ça a marché, c'est pas pire ça. J'aurais être bon. Le Spirit Reanimator. Faut que je refasse un autre Blood Gore. Ça, là, je peux récupérer des shards. Ding, on fait plusieurs. Spirit Reanimator. Voilà. Je l'ai. Ça ressemble à quoi, ça? Ah, c'est Single Block. Ok, il faut que je mette quelque chose là-dedans, c'est ça. Ça prend du sang, je pense aussi. Hein? Ouais. Tu sais que c'est un œuf, ça fait 12 ans, j'ai naïf pour essayer, ok. Ça va me prendre une tank. On va l'essayer. Wow, on va essayer cette fois-ci ce naïf, ok. Ah, j'ai une quête avec ça. J'avais plein de cadeaux aussi que j'ai pas demandé. Je n'ai rien à les avoir. Je vais les aider. C'est parce que je suis curieux de ce mode-là. Ah, ça! Super GT Chaos Gem. On va essayer ça. Ok. Là, j'ai récupéré des planches là-dedans, si je veux les prendre. Ça va compléter une quête aussi, je pense. Moi, je vais prendre ma tank, je vais essayer de mettre du sang dedans. J'en ai assez. Il va suffire de venir mettre ça dans le Spirit Reanimator, ici. Puis là, je vais juste mettre la tank dans ça pour qu'il y ait du sang dans la machine. Quelque part, il faut mettre un œuf. Ça a l'air de rentrer là. Puis on met l'esprit ailleurs là-dedans, probablement ici. Là. Et il se passe quelque chose, ça s'est remplissant. Puis l'esprit qui est dedans va se faire transformer. En Monster Egg. Où est-ce que ça va donner de faire ça? Mais je vais l'essayer. Des expériences avec le mode. Pour qu'elle l'envoie. Essayer. Ah, je l'ai, ça m'a donné un monstre. Spawn Vengeance Spirit. Ah. Ok, puis la boîte est vide. Puis je pourrais essayer de spawner autre chose. Ce que je pourrais faire, c'est enlever le calice. Okay. En fait, c'est vrai, il faut enlever tout. Il faut enlever les spikes qui sont ici. C'est ça, patente, ici. C'est ça que des. Victor Plate, non, c'est ici. Un zombie ici, viens avec moi. Ah, il veut pas. Ah, je l'ai, j'ai mon zombie. Je vais essayer la boîte à terre. Elle est ouverte parce qu'il n'y a plus rien dedans.
Je spawnais mon zombie, il vient m'attaquer, je le fais te péter à l'épée. Ça va fonctionner ça. Va marcher, hein, toute mon affaire. C'était vraiment pas bon. Non, ça n'a pas marché pantoute. J'ai perdu plus d'énergie au-dessus de ça, ça n'a rien donné. Ah, c'est pour le faire de nuit. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai mon araignée. Facile de mettre l'araignée là-dedans. Fait que je mange par contre dans le faire de nuit, c'est comme ça, là. Quoi ça? Ah, super cheaty machin, c'est ça. Et j'ai du quoi manger ici, là. On va manger. Et voilà. C'est important pour la régénération. Je vais mettre ça là-dedans aussi, les planches, là, pour les faire cuire. Ils sont où, mes planches, là? Ça peut être mes briques. Dark block. Ah ouais, dark block. Mais comment on fait pour les dark briques? Les dark block. Mais si j'ai d'autres dark blocks ici, je peux venir les mettre dans ça, puis faire. Mettre ça là. Puis. Ah, ça n'a pas marché encore. Tabarouette. Là, je les ai. Ah, j'ai une pile complète dessus, c'est bien assez. Dark brick, wow. On peut faire mettre ça là-dedans. Pas ça, celle-là. On va se réessayer de se spawner un esprit. Ah, ça marchait! Pense qu'il est pris dedans, là. Les dieux! Oui, il contient rien, je l'ai réussi à le capturer, là. Essayer quelque chose. Je pense que c'est savoir comment obtenir le colossal chest, là. Donc on prend notre colossal machin qui servait pas. C'est une structure multibloc. Il faut mettre des planches comme ça, des reinforced ou undead planks autour de ça. Oh, ça a marché! Mais ça prend beaucoup plus de temps. Ok, c'est pour ça que ça marchait pas. C'est une structure multibloc. Je l'ai faite. Oh! Là, on a une fournaise qui peut être utile aussi pour spawner des membres, des esprits. Une morceau d'esprit. Je vais l'essayer celle-là aussi parce que celle-là pourrait m'être utile. Spirit Furnace. Ça nous prend encore un Blood Core, ça prend des Dark Blood Brick. On va l'essayer. Dark Blood Brick. Donc ça semble être une structure multibloc, ça aussi. Apparemment, c'est même sur le même principe que l'autre. Ah, j'ai une quête un peu de compliquée pour ça. Donc là, au lieu de prendre des planches, on va prendre des briques. Ah, faut qu'il y ait ça dans la forme du monde, je pense. Je pense que oui. Je suis en train de me mettre une borky, non, je dirais. Ouais, on va la fermer, ouais, ça fonctionne. C'est bien fait, la structure forme. Ah, j'ai pas assez de blocs. Mmh. On va aller chercher des blocs là-dedans. Pour l'agrandir, pour mettre rien là-dedans.
Fonctionne-tu ça? Ah, il reste un trou, je pense. Ici, ouais. Eh oui, ça fonctionne, rien. Rien à faire sinistre. Ouais. Sauf que ça marchera pas. Faut que je défasse tout en arrière. On va laisser pareil. Là. Ah, ça paraît du sang par contre déjà. Là, faut que je mette l'esprit dans ça. Ok. Il faut que j'y trouve du sang. Double tank, j'ai un portable tank. Ah, je dois l'avoir laissé dans le, un des affaires. Ah, ici. Bon, je voudrais que j'en ai récupéré dans celle-là. Super belle façon de récupérer du sang, ça. Ben oui. On peut venir en mettre dans notre machine araignée. Ah, il va se passer quelque chose. Oh! Ah, cool! Ça fait des morceaux d'araignée! Ok, ça c'est réutilisable à l'infini! C'est bon, ça! Fait que si je me trouve un, si je me trouve un Enderman, j'aurais essayé de le capturer, mettre ça dedans. Ça veut dire que je peux... Je peux faire quelque chose avec ça. Nice! Ah là, je suis content. Là, j'ai réussi à quelque chose que j'aurais besoin de mettre plein d'enderpearl. Je pourrais me faire un générateur enderpearl avec ça. Cool! Bon, mais ça me contente. On va arrêter ça là pour l'instant. La prochaine fois, ça va être du Blood Magic. Alors, entre-temps, entre deux épisodes, je vais me capturer un Enderman. Je vais faire ça, je n'enregistrerai pas, ça va être du gossage, là, mais... Éventuellement, je vais réussir à en mettre un dans une boîte comme ça, puis je vais se prendre les morceaux d'Enderman, placer les morceaux d'araignée. Alors, à la prochaine!